Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone jeux de société. Bon, finalement, j'y arrive, Underwater Cities. Alors, un jeu de Vladimir Succi. Je vous dis finalement, parce que ça fait longtemps que je l'ai, et si vous êtes contributeur de mon Patreon, vous savez qu'il a passé au travers de plusieurs, en tout cas de quelques sondages pour pouvoir être choisi parmi une panoplie de jeux que j'ai dans ma collection. Et je vous rappelle que ceux qui participent à ma campagne Patreon, bien, une fois par mois, vous pouvez voter pour le jeu qui sera présenté donc dans les prochaines semaines. J'essaie de le faire une fois par mois. Des fois, ça fonctionne relativement. Bien, ça fonctionne, absolument, il y en a juste un à date que j'ai pas pu faire parce que je veux le faire avec Hélène et puis je dois attendre qu'elle se rétablisse de sa dernière opération. Mais voilà, Underwater Cities était dernièrement en compétition contre Ends in the Sea. C'est Ends in the Sea qui a gagné. Mais là, je peux plus attendre, mesdames et messieurs. Je pense que je veux y jouer. J'entends que du bon par rapport à ce jeu-là. Donc, Underwater Cities Build A Future Under the Waves. J'ai la version anglaise, mais je pense qu'il est sorti en français. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4, donc de 1 à 4 personnes. On parle de 40 minutes par joueur. Alors, c'est un jeu de construction de villes sous la mer. Écoutez, je vais être honnête avec vous encore une fois. C'est pas mal ce qui se passe depuis quelques temps avec mes déballages que je fais. C'est que je n'ai jamais vraiment regardé une partie d'Underwater Cities. Alors, je peux pas vous donner beaucoup d'informations, mais on va quand même découvrir ensemble le contenu de cette fameuse boîte-là. Alors, si ça ne vous dérange pas, j'enlève la petite pellicule de plastique et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Ben, vous savez, mesdames et messieurs, si vous voulez que je fasse des sessions de jeu, ben, il faut que je les ouvre, ces boîtes-là. Et là, je commence à ratisser ma quantité de boîtes que j'ai de pas ouvertes encore en arrière de moi. Donc, je vais avoir quand même... J'en ai fait plusieurs ce soir au moment où j'enregistre ceci. Là, j'ai fait... combien j'ai fait de déballages? J'ai fini 1, 2, 3, 4. C'est mon 5e déballage que je suis en train de faire. Donc, vous comprenez que il va y avoir quand même plusieurs sessions qui s'en viennent. Oh! Ben voilà! Alors, c'est rare, mesdames et messieurs, j'ai comme l'impression d'avoir une boîte totalement vide, avec aucun insert, rien, pas de flafla, et surtout, je pense que je vais partir à pleurer, mesdames et messieurs, parce qu'on a des cartes qui sont déjà insérées dans des plastiques, puis il n'y a pas de pellicule de plastique dans toutes les... est-ce que j'ai un jeu original? J'imagine que oui. Alors, il n'y a pas de plastique pour protéger les cartes, donc c'est bon pour l'environnement. On a déjà mis les cartes dans ce qu'on va de toute façon nous les mettre. Et il n'y a rien qui a été individuellement impacté. Waouh! Je suis très content de ceci. Puis, on pourra regarder ça dans quelques instants. Là, je suis tout en train de regarder ça. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais je pense que c'est ça. Ce sont les fameux dômes qui vont représenter nos différentes villes. En plus, on nous a donné beaucoup de petits sacs. OK. Ensuite, on a le fameux livret d'instructions. Ah! Il était presque parfait. Presque parfait. Ils ont quand même protégé quelque chose. Il ne faut pas trop leur en vouloir. Alors, Underwater Cities, The Next Frontier. Très beau livret, hein, quand même. Ça semble... très invitant comme livret, j'aime ça dans un beau papier glacé, très très coloré. C'est le style de livret d'instruction, je pense que j'aime beaucoup lire, où tout a l'air d'être bien indiqué. On a des rectangles jaunes pour attirer notre attention. Donc ça, je trouve ça super cool. Beaucoup d'images. Je pense que je commence à vous expliquer que moi, un livret d'instruction, faut qu'il y ait des exemples. Et là, je vois qu'il semble avoir beaucoup d'exemples. Example ici. Puis on semble vraiment bien nous expliquer l'ensemble du fonctionnement du jeu. Voilà, Winning the Game. Alors, on a de variant, on a de solo game. Alors, c'est une variante. Alors, j'ai hâte de voir si c'est une variante qui va nous permettre d'avoir un aussi grand plaisir que si on joue à plusieurs. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! OK. Alors, on va enlever la pellicule de protection. Oh boy! OK, c'est du carton, ça. Donc là, je... OK, j'ai été capable de le faire. Je pensais que je n'allais pas être capable de le faire. Est-ce que c'est un plateau? Est-ce que ce sont des plateaux de joueurs? Est-ce que ce sont des collants? Non, OK. Oh, boy, boy. OK, bon. Alors, ce sont probablement des aides de jeu qui sont en papier. Ah, très mauvais. C'est
ça avait bien commencé quand même. Alors, OK. C'est fait avec du papier. Vous savez que j'aime pas ça. C'est toujours mieux quand c'est avec du carton. Mais quand on fait attention à nos jeux, ça devrait aller. Est-ce que c'est le plateau? Est-ce que c'est le plateau? J'espère que non. Est-ce que ce sont les plateaux de joueurs? Bon, j'imagine que oui. Ça joue combien? De 1 à 4 personnes? Il y en a-tu 4? 1, 2, 3, 4. Donc, ce sont probablement les plateaux de joueurs. Donc, on voit ici qu'on a le Project Name, des Underwater Cities. Est-ce que ils sont pareils de chaque côté? On a l'air d'avoir des numéros. On voit qu'il y a le numéro 8. Celui-là, c'est le numéro 4. Donc, je ne sais pas si... Est-ce qu'ils sont identiques? Non, ils ont des petites différences. Ça, c'est cool quand même. Moi, je trouve ça bien. On voit qu'ils sont vraiment... Ils ont quand même des différences au niveau de... Comme ici, on voit qu'il y a comme un symbole avec de l'argent, avec un 5. Alors qu'ici, il n'y a rien. Puis là, je les ai toutes mis dans un côté. Donc, ça fait des plateaux qui sont différents pour chaque personne. Et ensuite de ça, bon, on a quelques jetons. OK, quelques jetons intéressants. J'imagine que ça doit être ce qui représente l'argent. Donc, tantôt, c'était vraiment un symbole d'argent. Donc, on a des 1, on a des 5, des 10. Oh, boy, boy. Ça semble être un jeu qui semble fonctionner beaucoup avec l'iconographie parce qu'il semble pas nécessairement avoir tant de texte que ça. Alors, on a d'autres jetons. Donc, je viens de comprendre, je pense, la quantité de petits sacs qu'ils nous ont donné. Ensuite de ça, on a d'autres petits jetons ici. Voilà. Alors, intéressant. Je pense que je ne les ai pas donnés du bon côté. On voit que de l'autre côté, ils n'ont rien. Donc, j'imagine qu'on va devoir les brasser pour pouvoir les utiliser par la suite. Et ensuite de ça, ben, on a le fameux plateau de jeu. Bon, au moins, il y a un plateau. Je suis content. Fait que je vais ouvrir le plateau pour rendre ça encore plus agréable à regarder. Et on va terminer le déballage de Underwater Cities. Et voilà, mesdames et messieurs, fait que comme vous pouvez voir, j'ai tout dépunché, j'ai tout sorti le matériel de la boîte et pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, écoutez, c'est un jeu, je vous l'ai dit, hein, des fois les déballages, ça a le gros avantage que des fois tu achètes un jeu parce que les gens en parlent beaucoup sur Internet, parce que les gens disent que c'est un bon jeu. Et moi, je fais aveuglément confiance à tous ces gens-là, et sans nécessairement savoir exactement comment fonctionne le jeu. Et là, quand on déballe le jeu et qu'on voit le matériel et qu'on voit toutes les possibilités, ben ça devient très intéressant. Et c'est ce qui s'est passé en plaçant ce plateau-là. Donc, vous voyez qu'il y a un beau plateau ici qui est réversible. Alors là, je vous ai mis le côté du plateau pour 1 à 2 joueurs. Puis de l'autre côté, vous allez avoir le plateau pour 3, 4 joueurs. Et ensuite de ça, ben, vous voyez, c'est un plateau qui est très usuel. On a le pointage ici qui suit cette fameuse petite fente-là. Il y a 100 points avec nos petits jetons qui sont là. On doit avoir ici le jeton qui va comptabiliser les rondes. Ensuite, il y a tous les petits jetons que je vous ai présentés tantôt. Donc ça, ce sont des jetons de science. Eux autres, ils représentent 3 jetons de science. Alors ceux-là, c'est des jetons qui vaut à 1. C'est pas les jetons les plus épais, mais ils sont de qualité correcte quand même. On a des jetons ici de kelp. Je peux pas vous dire exactement c'est quoi du kelp, mais ça doit avoir rapport avec de la végétation. Ensuite, on a du steel plast. Alors, ça doit être un genre de matériel quelconque. Ensuite, on a du biomatter, donc donc des éléments biologiques qui sont représentés par ça. Ici, on a les différentes cités, des mégacités qu'on appelle. Alors, les mégacités qui vont aller sur le petit plateau que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Donc, ici, vous voyez qu'on a des endroits. Ici, on a des cités qui vont probablement nous rapporter des différentes ressources. Et là, on a aussi d'autres cités qui vont aller dans les affaires qui sont brunes. Donc, ça semble être peut-être des points de victoire, donc des éléments de fin de partie probablement pour ces méga cités-là.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça s'appelle des jetons d'action, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, j'imagine qu'on doit avoir trois actions, puis ces jetons-là nous indiquent peut-être les actions qu'on a prises. On a l'argent que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, tantôt. Et là, on a ces fameux dômes-là. Alors, quel beau, magnifique dôme ici. Donc, les dômes qui vont probablement représenter les différentes cités sous l'eau que l'on va créer. Et ce que je trouve très cool, c'est qu'on a ici des jetons qui vont représenter différents types de bâtiments. Alors, les jaunes, ce sont des désalinations. Donc, ce sont des bâtiments de désalination que probablement on va placer ici comme ça autour. Ensuite, on a des blancs. Les blancs, c'est des laboratoires. Alors, ça va représenter des laboratoires. Et ensuite de ça, on a les verts qui vont représenter des fermes. Alors, on doit pouvoir bâtir. Donc, ça, j'aime ça. Ça me fait penser à des... on va pouvoir construire quelque chose. Et ensuite de ça, on a des réseaux qu'on va pouvoir améliorer en mettant ici des tunnels pour relier chacune de nos constructions. Alors, je trouve ça vraiment magnifique. Le matériel, il est vraiment très beau. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, bon, c'est quoi exactement? Et quand j'ai compris que c'était des représentations de bâtiments, j'ai trouvé ça quand même très, très cool. Et ça, en passant, il y a deux couleurs. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi. Ben, il y en a une différence, là. Les blancs, c'est des non-symbiotic city domes. Puis les purples, parce que ça a l'air que c'est mauve, ça, ici. Alors, c'est 13 symbiotic city domes. Bon, là, je peux pas vraiment tout vous expliquer. Je suis pas capable de me rendre jusque-là. Mais là, évidemment, le clou du party, ce sont toutes ces fameuses cartes que nous avons. Alors, on a ici des cartes, j'imagine, de différentes technologies. Peut-être qu'on va pouvoir aller chercher. Et on voit ici le prix. Et ces technologies-là, il est écrit, par exemple, ici, on a un biomech test. Et c'est écrit qu'on peut payer un crédit et un kelp. Donc, kelp, c'est un jeu de gestion de ressources pour bâtir un Symbiotic Cities. Et on voit que probablement que c'est... Ça fait un petit peu penser à Terraforming Mars. Donc, ça, c'est bien. Donc, on a aussi qu'est-ce que ça va coûter et qu'est-ce que ça va donner. Et on a l'explication qui est en dessous. Est-ce que c'est comme ça pour toute la gang? Je pense que oui. Donc, on a ici l'aspect plus de l'iconographie qui est expliqué. Il est écrit build, donc bâtir n'importe quel bâtiment. On voit que c'est les fameux jetons que je vous ai parlé tantôt. On a un expansion site, pay the usual cost. Donc très cool, très bien fait. Et il y en a quand même une bonne quantité. Et ensuite de ça, bien, on en a d'autres ici. Ensuite, ça, j'ai comme compris que ce sont des cartes de niveau 1. Et il y en a vraiment une quantité assez industrielle. Mesdames et messieurs, puis je pense que c'est à peu près la même chose. On a des fois des explications de qu'est-ce que ça veut dire. L'artistique de ces cartes-là, c'est quand même très bien. La qualité des cartes, elle est moyenne, je vous dirais. Il n'y a pas de fini de protection. C'est un peu mince comme papier, mais c'est quand même passable. Mais il y en a vraiment une quantité. Regardez, tout ça, c'est le deck de niveau 1. Ensuite, on a le deck ici pour probablement au moment où on va passer à l'ère numéro 2 là, sur le côté. Alors, on a un deck avec de nouvelles constructions. Invite Investor. Je ne sais pas exactement c'est quoi les cartes. Vous me pardonnerez. Mais ça, j'ai plus l'impression que c'est de la technologie. Ça, ce sont des cartes qu'on va peut-être pouvoir jouer et qui vont nous permettre de faire des actions, justement. Et ensuite de ça, on a le numéro 3. Est-ce que c'est une petite imitation de Terraforming Mars? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Je sais que c'est un jeu qui reçoit beaucoup, beaucoup d'amour présentement. Mais là, je regarde ça et ça me fait un petit peu penser à Terraforming Mars. Mais au lieu que ce soit la planète Mars que l'on va terraformer, ben c'est le fond de l'eau. Donc, je trouve ça très cool, très intéressant. Je pense que je vous ai tout présenté, ce qu'il y avait à l'intérieur du jeu au niveau du matériel. C'est très, très fun. Alors, au niveau du matériel, écoutez, je vais lui donner un A. C'est un jeu qui est quand même dispendieux, mais le matériel, il est magnifique. Il y a peut-être les cartes qui manquent un petit peu de finition, mais le reste, c'est quand même vraiment extraordinaire. L'aspect artistique, il est très réussi. Il y en a beaucoup, beaucoup d'artistique sur les cartes. Je pense que c'est bien réussi. Je vais lui donner également un A. Et pour mon excitation, mais il a augmenté. Ça fait pas, c'est pas pour rien hein, que ça fait longtemps qu'il traîne ce jeu-là dans ma pile à déballer. C'est parce que c'est un jeu, je pense que le thème d'Underwater City m'intéressait plus ou moins, mais là maintenant que j'ai vu c'était quoi, puis j'ai comme l'impression que c'est une
une reprise un petit peu de certains éléments, peut-être de Terraforming Mars, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, là. J'ai comme l'impression qu'on a des ressources qu'on va dépenser pour aller chercher différentes, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais au premier coup d'œil, c'est quelque chose qui me fait un peu penser à ça. Donc mon excitation, il est, je vous dirais, à A moins, et il était beaucoup plus bas que ça avant de faire le déballage. Alors voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup, j'espère que vous avez apprécié ce déballage d'Underwater Cities. C'est un jeu que je vais définitivement vous présenter en solo dans les prochaines semaines. Alors abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire, le Valet de cœur, au www.levalet.com ou sur la rue Saint-Denis à Montréal. Allez faire un petit tour sur mon Patreon au www.patreon.com/zone-jeu-de-société. Et d'ici la prochaine fois, mesdames et messieurs, lisez vos livrets d'instructions et amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous allons nous revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.